Salut. Bienvenue sur notre chaîne. Les aphtes sont un problème de santé bucco-dentaire commun. Ce sont de petits ulcères douloureux à l'intérieur de la bouche, de la langue, des lèvres ou de la gorge. Les symptômes des aphtes comprennent les ulcères de petite taille, douloureux et ressemblant à des cratères. Également appelés ulcères aphteux, les aphtes sont très douloureux. Ils sont différents des boutons de fièvre qui apparaissent généralement à l'extérieur de vos lèvres ou au coin de votre bouche. Ils peuvent également apparaître n'importe où dans la cavité buccale, à l'intérieur de vos lèvres et de vos joues, à la base de vos gencives, sur ou sous votre langue. Plusieurs facteurs peuvent provoquer des aphtes, notamment des lésions de la bouche, des aliments acides ou épicés, des carences en vitamines, des hormones, du stress ou des maladies auto-immunes. Les aphtes prennent quelques jours avant d'atteindre leur apogée en termes de douleur et d'irritabilité. En d'autres termes, ils ne commencent pas à faire mal immédiatement, ce qui vous laisse un peu de temps pour vous en occuper avant que la situation ne dégénère. Il existe un moyen simple pour vous débarrasser de cette nuisance courante et douloureuse. Mieux encore, il ne demande aucun médicament. Commencez par mélanger une cuillère à café de sel dans un verre d'eau. Appliquez autour de votre bouche et gargarisez pendant quelques minutes puis recrachez. La prochaine chose à faire est de réchauffer un peu d'eau, de préférence avant d'aller au lit, puis de presser du jus de citron et de le boire. N'ajoutez pas de sucre dedans. Vous serez surpris de voir que votre plaie disparaîtra complètement le lendemain matin. Il s'agit d'un remède simple et efficace contre les aphtes qui peut être utilisé à chaque fois que vous voyez un apparaître ou que vous commencez à le sentir en train de se développer. Les aphtes occasionnelles sont normaux. Toutefois, si vous avez des aphtes fréquents, vous devriez consulter un médecin afin de rechercher d'éventuelles affections médicales sous-jacentes. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à partager, à commenter et à vous abonner pour plus de vidéos.